Et re les petits potes, on a vu le deck de RD juste avant, on voit celui de Hunter S actuellement. À Hunter S qui du coup a estimé lui aussi que Mage allait pas être assez représenté pour mettre un deck en side contre. Et du coup il peut se faire un peu avoir parce qu'il a son side qui peut paraître un peu étrange avec les Brewmasters etc. Mais ça c'était un side anti-paladin. Il Exactement. s'attendait à ce qu'il y ait un peu plus de paladin chez Ravala. Donc pour ceux qui connaissent pas la petite Spell Ward Jeweler, c'est une 3-4 pour 3, 3 qui dit que quand tu la joues en cri de guerre, ton héros est inciblable par les sorts sur le tour d'après. Et du coup tu peux pas te prendre les 25 dégâts du paladin chez Ravala. Et ça te permet de survivre 2 tours de plus. Il y a même un panda dans le deck je crois, donc tu peux survivre 3 tours de plus. Et en 3 tours normalement tu as le temps de tuer un paladin Shervala, surtout un paladin Shervala qui a la fatigue, hein, puisque tu le joues au moment où lui il a pioché tout son deck. C'est un temps mort concrètement contre. C'est un temps mort, ouais, c'est un temps mort. C'est un temps mort contre paladin Shervala uniquement. Je sais pas s'il peut envisager de prendre ce deck contre autre chose, peut-être contre un chasseur, mais ça m'étonnerait. Hein. Non. Il a même la 3-5 pour 4 ouais. qui dit que quand une de tes créatures est gelée, ça te donne 8 d'armure. Ah ouais. C'est-à-dire que tu te gèles toi-même un serviteur et tu joues ça? Avec le faisceau de gif, tu te le gèles et. Ouais, c'est sympa, c'est innovant. Et Hunter S, il a une approche un peu différente, enfin, en tout cas très centrée sur le fait que ton side, il doit absolument t'aider dans tes mauvais match-up et pas forcément t'aider à gagner encore mieux tes bons match-up. Bah, en tout cas, avec le mage, ça fonctionne comme ça. Le truc, c'est des fois, tu sais, c'est des sides qui sont dédiés à un match-up précis. Et juste, il s'avère que c'est ce qu'on avait avec Jarla. Son side avec les Sifurium Bomber, etc., c'était pour battre guerrier à la base, c'était avoir un meilleur deck contre guerrier. Et là, il s'avérait que contre Pavel, ça a amélioré encore plus le match-up. C'est ça. C'était un side un peu polyvalent qui était fort contre tout type de deck un peu lent. Là où le side de Hunter Ace, c'est vraiment, il a un side pour voleur, un side pour paladin Shirvala, et tout le reste, il dit mon deck principal, il est suffisamment fort pour tout battre. Clairement. Ce qui est pas faux en soi, hein, parce que le deck principal, il peut de base faire beaucoup de choses. Alors, du côté de RDU, on a une main assez catastrophique. Déjà, on est un peu triste d'avoir la pièce, hein, parce qu'on rappelle, donc, quand t'as la pièce, t'as deux cartes en moins. Non seulement celle qui est bonus quand tu es deuxième, mais en plus la pièce qui, elle, compte parmi les 10 cartes de ta main. Et du coup, sortir un géant des mers, des montagnes, pardon, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. On a un hospice du côté de RDU qui pourrait peut-être retarder un potentiel géant des montagnes trop rapide du côté de Hunter Ace. Le Doomsayer qui est à la base plutôt fort contre aggro. Mais il n'est pas mauvais en soi dans le Mirror, mais il n'est pas fou. C'est un peu ce qui était ressorti de la semaine dernière. Il peut aider, mais il n'est pas non plus ouais, fou. Ouais, ça n'avait pas été transcendant sans être très mauvais. Quoi. Est-ce que tu as vraiment envie de jouer cet apprenti du côté de Hunter S? Tu sais justement qu'il y a des hospices, donc si tu te prends hospice, c'est un peu dommage. Ah, il a l'air de vouloir la jouer. Si tu prends hospice, tu peux le gérer hein, avec. Ah, c'est cher, hein. Ah non, tu peux juste faire Frostball Ping, pardon, excuse-moi. Ouais, Frostball Ping ou alors un peu plus cher, effectivement, avec lanceur de banane, pièce Frostball. Bah, ça implique que tu lâches une banane et ta pièce alors que t'as le cyclone de mana ça, en main. Ça, c'est cher. Je pense que t'as pas envie. Ça, c'est cher pour le coup, mais Frostball Ping, c'est ok, ouais. Ouais, RDU, il pourrait juste faire double Ray of Frost sinon, mais c'est quand même pas ouf ouf. Ouais, je sais pas, j'aurais bien aimé potentiellement garder. Avec le nombre de réponses que RDU peut avoir dans son deck, c'est pas un deck classique vu qu'il y a les hospices. J'aurais bien aimé voir Hunter S garder la petite 3-2 potentiellement pour faire Banana Buffoon sur le tour 3. Ouais. Et derrière, tu partais en cacahuète avec tes spells à 0. C'est ça, il y aurait pas eu la main qu'il avait Hunter S. C'est-à-dire, je sais pas, il aurait eu d'autres choses. Parce que là, même ce tour-ci, il peut pas faire à la fois banana, enfin le lanceur de banane et le cyclone de mana dans le même tour. Il peut pas, donc j'ai pas l'impression que ça lui apporte grand-chose par rapport à la perte de cet apprenti sur un gros tour. La semaine dernière, il y avait beaucoup de matchs sur EU et beaucoup de gens, on a vu pas mal de Mirror, et la plupart des gens s'accordaient quand même à dire que c'était super important d'être agressif dans le match-up, donc je comprends cette envie quand même de lâcher cette petite 3-2 juste pour essayer de tabasser. Peut-être que même avec le cyclone de mana en main, avec le banana buffoon, il aurait quand même mis les deux bananes pour avoir une 5-4 et commencer à tabasser. Apparemment, j'ai pas assez travaillé le match-up, donc c'est pour le coup un truc où j'ai encore du mal, mais apparemment c'est quelque chose vraiment qui est normal et commun de vraiment essayer d'être le plus agressif possible avec ce deck. Encore une fois, il y a tellement de plans de jeu possibles que tu dois constamment adapter ton plan de jeu à ce que tu as en main, mais aussi à ce que tu récupères de manière aléatoire avec tes sorts, donc c'est assez compliqué. Il a l'air d'envisager le pièce banana buffoon pour faire une banane sur la 3-2. Pour le coup, c'est agressif ça. C'est un truc qui est rare de la part d'Hunter Ace. C'est
voir un play comme ça et réfléchir au reste. C'est un truc, la plupart du temps, les gens s'accordent à dire qu'il ne faut pas le faire, justement. Après, il sait que, en soi, il était sûr de faire cette frost ball parce que les deux possibilités de jeu qu'il avait passaient par là. Ça te coûte rien de juste attendre la suite de ton play pour ne pas donner d'informations à RDU. Parce que là, RDU, il s'est dit, ah, mais attends, il a attendu, il a pas voulu faire trade ping direct, donc peut-être qu'il a un tour avec la pièce. Ça implique beaucoup de choses, une pièce, donc ça veut pas dire grand-chose. Tu peux pas avoir une vraie lecture, après, mais... Après, Hunter Ace, on l'a vu bluffer. Oui, c'est vrai que des fois, il bluffe aussi, donc... Bah notamment en finale des championnats du monde avec son fameux secret chasseur contre le zoo de Viper qu'il a sûrement fait gagner championnats du monde parce que c'est le zoo de Viper, c'était un des pires decks contre la line-up de Hunter Ace. On a le lieur de sable du coup qui va permettre d'aller récupérer un géant deux fois sur trois puisqu'il a déjà un cyclone de mana en main. Ouais. Ah, je me dis s'il était parti tu vois sur le lanceur de banane. Il aurait eu un gros board là. Hein. Ouais, il aurait quand même pu, snowball un peu plus que ça. Je sais pas ce qu'il y a dans la decklist d'RDU. Est-ce qu'il y a en main? Je vais vérifier. Je te laisse raconter. Je vais vérifier s'il y a de quoi gérer un géant qui est en solo ou pas. Je dirais qu'il y a. De mémoire, il me semble qu'il y a quand même un snap freeze. Mais. De toute façon, même s'il y a de quoi le gérer, tu vas quand même. En fait, à partir du moment où il y a deux BGH, c'est clair que tu joues pas un géant tout seul. S'il y a un BGH, la question se pose. Si pour gérer un géant, il doit faire à la fois le geôlier plus le snap freeze. Il y a juste gel intense. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a un gel intense. Sachant que tu as déjà vu les deux parties du faisceau de givre tomber un peu plus tôt dans la game. Franchement, moi j'aime bien balancer le géant comme ça parce que. Bah, de toute façon, t'as pas de conjureur en main. Magic Trick, t'en as quand même deux qui peuvent te ramener des conjureurs. Donc, c'est pas si improbable. Moi j'aime bien lancer le géant ici, il y a très peu de chances qu'il se fasse gérer. RDU est très favorable dans le match-up, enfin dans le match-up, dans le BO en fait, parce que la première game elle est à peu près équilibrée, mais il a quand même un gel intense. Mm-hmm. Et la deuxième, il a deux gels intenses, il rajoute un blizzard, il a déjà les deux Nova, et il rajoute un lieur de sable et un lanceur de banane. Donc, c'est presque un match freeze avec blizzard. Ouais, mais c'est marrant parce que je sais plus qui, je crois pas que c'était RDU. Qui disait ça, peut-être que c'était RDU quand même, qui disait que Blizzard avait sa place dans le deck, justement, pas parce que dans les mirrors c'est trop fort en fait. Mm-hmm. Après, tu peux encore aller plus loin, chercher un deuxième Blizzard, peut-être des cartes comme Kalegos, il y a des options un peu comme ça qui peuvent arriver. Et ce que je me demande, c'est si des cartes comme la galaxie de poche de Luna, tout ça, ça pourrait arriver. Moi, c'est une carte, je suis presque persuadé que ça se verra en side, parce que ce qu'on disait en fait à chaque fois, c'est si tu juste as ton apprenti sur le T2, tu peux faire pièce galaxie de poche sur le T3. Waouh! Ouais, c'est vrai, hein. C'est ça. Et derrière, dès que tu vas jouer Luna, la légendaire, la vraie, tu vas pouvoir piocher beaucoup, faire tes géants à 1, voire non, même tes géants à 0. Oui, en fait. Parce que tes géants, leur coût de base c'est 12 et du coup ils sont réduits. Mais si le coût de base c'est 1, bah c'est quand même réduit et du coup ça coûte 0 si t'as X cartes en main. Et ils développent un géant grâce à ça, c'est pas si mal après tout. Est-ce que du côté de Hunter Ace, on a quelque chose à faire, il faudrait récupérer avec le tour de magie un appel, t'en parlais. Ou une frostball pour gérer la 2-2, ça pourrait être sympa. Gel intense, si tu récupères à nouveau du gel avec le second magic trick, ça peut faire le taf. Hein. Ouais, il y a pas attention. Mal de chance d'en avoir. Ouais, il y en a beaucoup en vrai. Hein. Il y a 3-4 cartes, ouais. Oh, oh. Et du coup, tu peux faire 4 gardes, pièce, appel. Ouais. La question, c'est est-ce que tu gères une de ces 0-2 ou pas? Est-ce que tu attaques? T'as pas forcément envie pour ne pas laisser de la place à RDU sur le board en fait. Ah ouais, c'est bien ça. On va voir ce que Hunter Ace. Il y a quand même un géant en face donc. Ah ouais, j'aime bien ça, hein, se dire que tu n'attaques juste pas sur les 0-2. J'aime beaucoup ce choix là. Toujours un peu pénible de faire ça face à une 8-8 du côté de RDU parce que si t'as les 7-8, ah voilà, on les voit, là il y a un free trade. Mais bon, en théorie, du coup, ça protège ton 4 gars. C'est quand même pas si mal que ça. Et du coup, le fait qu'il ait pas tué les 0-2, ça empêche RDU de vraiment bénéficier de son 4 gars avec l'appel qu'il a en main. Ouais. Très bon play de la part de Hunter Ace. Du coup, RDU, qu'est-ce qu'il peut nous faire ici? Il peut faire un appel de l'invocateur classique. Je l'ai. Ouais, appel de l'invocateur Nova, il profite pas du 4 gars, effectivement. Ah, c'est un peu triste. Hein. Zdoom. La ruée serait plutôt forte. Double Emrys. Ah oui, même pas, il a même pas deux cartes différentes du coup. Ouais, ça copie d'abord avec Khadgar.
Et du coup, tu fais une Nova ici. Ou t'as à... pas... Ah, il hésite à trade Khadgar et à poser son autre géant. Et faire la faire Nova. Oui, ça c'est sûrement mieux. Hein. Permet. Ouais, mais après, il sait qu'il va prendre. Il sait qu'il y a deuxième conjureur, quoi, c'est chaud. Ouais, t'as deuxième conjureur. Nous, on voit qu'il y a le lanceur de bananes qui peut même booster potentiellement cette 7-8 pour qu'elle ait 8 PV et empêche R2 de reprendre des value trades dessus. Ça sent pas bon. Ah, il a l'air un peu paumé la RDU. Hein. Nova qui devrait tomber. Et on garde le 4-gar vraisemblablement. Ok. Oh la Nova des Hunter Ace. Oh là là, ça c'est une draw qui fait la game. Hein. Est-ce que tu la joues vraiment ce tour-ci? Parce qu'en soi, est-ce que juste faire l'appel sur la 7-8 est pas mieux? Genre tu fais appel sur la 7-8. Tu peux... Ouais. Ah, je sais pas. Tu peux récupérer pas mal de sorts aussi. Ouais, tu peux potentiellement récupérer des sorts avec le cyclone si tu veux. Parce qu'une banane sur la 7-8, ça peut être fort aussi. La banane sur la 7-8 est sympa, on le disait, hein, pour empêcher les value trades des 8-8. Le choix est pas du tout évident. Il a pas... C'est ça qui est vraiment intéressant avec ce match, c'est qu'il y a vraiment énormément d'options. Ah, et du coup, il le fait là-dessus. Pour pas mourir, il se dit, on sait jamais. Si j'ai zéro taunt, un truc bullshit, il a une deuxième Nova ou quoi, on sait jamais. Ok. Ok. Pouvoir. Du coup, il compte pas faire la Nova. Non, mais du coup, il faut ping une des 8-8, je suppose. La Nova n'a pas d'intérêt là, concrètement. Peut-être qu'il s'en fout de ping une 8-8, parce qu'il se dit qu'il y aura. Ok. Moi, j'aime bien ping. De toute façon, il n'y a pas de place sur le board. C'est quoi ce board, Théo? Bah, c'est Hearthstone en 2019, Tars. Oui, il y a la deuxième Nova. Board full, ils ont tous full Nova. Ils vont rien faire. Sachant qu'en plus... Non, j'allais dire, il a un bizarre du, mais non, c'est dans son side. Là, il peut pas l'avoir. Hein. Oh là 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 là. Oh, c'est tellement triste. Deux blés géants des mers. Il va refaire la Nova. Hunter ici. C'est pas instinctif le coup des 0-2, mais après 2-3 semaines avec ce mage, ça fait quoi? C'est la deuxième semaine que ce mage est vraiment populaire. On a vu pas mal de mages de GM et on s'est rendu compte à quel point c'était fort de laisser ces 0-2 sur le board. Hein. Donc c'est quand même plutôt logique. Est-ce que tu veux te débarrasser de 4 gars maintenant que t'as plus d'appel de l'invocateur? Tu fais 4, tu dégages 4 gars et tu fais un géant. Ouais, j'aime bien. Il fait pas la Nova? Bah, il dit qu'il veut la. Bah non. Non. L'idée de pas la jouer, ça aurait été de se la garder pour un tour où il y a vraiment les talons board. Yep. Oh, on a un tour qui peut être sympa du côté d'Hunter. Et si on peut faire le banana buffoon, faire une banane sur le 4 gars pour le protéger d'un ping, sur la 7-8 pour qu'il n'y ait pas de value trade avec les 8-8. Et derrière, tu peux réduire le tout et faire un cyclone de mana. Peut-être qu'il a envie de faire la Nova aussi dans le tour. Ouais, parce que ça peut lui donner un autre sort aléatoire en plus. Après, est-ce que la Nova est vraiment si intéressante que ça à l'heure actuelle? Je suis pas sûr. Bon, j'ai du mal à voir RDU de toute façon remonter dans cette game à partir du moment où il a que 3 cartes en main, dont 4 et 3 créatures. Je vois pas comment c'est possible en fait. C'est ça, il peut pas générer beaucoup de sorts avec un cyclone de mana. Même Luna lui permet pas de piocher beaucoup parce que son géant des montagnes coûte 10. Ouais, c'est ça, le géant qui est tout à droite, c'est une catastrophe pour RDU. Il va faire le Nova, il peut même faire le gel intense du coup sur une des 8-8. Oh, c'est ça. Ouais, je sais pas s'il va le faire. Non, les bananes sont sûrement mieux hein, que le gel intense. Hop. Banane sur. Alors, la 2-1 quand même pour éviter le ping. T'as pas besoin de faire... Ouais. Ouais, il le fait pas sur la 2-1. Après, c'est vrai qu'en soi, si elle meurt, il a pas d'appel. C'est pas si grave que ça si elle meurt, mais tu vois, ça te permet potentiellement, quand le tour où tu voudras être à l'agression, de gérer un body 0-2, ça me choquait pas. Oh, le blizzard. Oh, popette, le blizzard. Et c'est pour ça, une des raisons pour laquelle RDU le side. Ah bah, c'est perdu du côté d'RDU. C'est pour ça que RDU le side aussi, ce petit blizzard. C'est parce que dans les scénarios comme ça où ton adversaire essaye de te bloquer avec les images miroirs, bah, non seulement ça gèle les autres créatures, mais ça tue les images miroirs et du coup, tu peux aller face.
Bah là, du coup, c'est fini. Hop là, un petit blizzard et RDU s'en va. Allez. Et c'est là où RDU, du coup, en théorie, devrait quand même être bien plus avantagé avec ses, son side qui, lui, a pris en compte la possibilité de croiser un mage. Un mage par rapport où, à Hunter S qui a pris le pari de ne pas avoir trop de mages cette semaine. Et en soi, Hunter S avait raison parce qu'il y en a vraiment très peu des mages. C'est juste qu'il n'a pas été chanceux et qu'il en a croisé un sur le field qu'il y avait. Après, tu vois, son side anti-paladin, il augmente énormément le match-up contre paladin. Ça le rend presque favorable, je dirais. Là où, est-ce que ça va changer beaucoup le Blizzard? Certes. Bon, il y a quand même un gel intense aussi hein, qui rentre. Ça, c'est très fort. Il y a un gel intense qui rentre, c'est vrai. Ah, le gel intense, il fait la différence. Hein. Tu vois, le Blizzard, faut quand même avoir le temps d'arriver à ce stade de la partie. Faut le piocher, les parties vont beaucoup plus vite. Là où, quand t'es contre un paladin Shirvala, tu vas tout piocher, ou presque. Enfin, la partie va durer beaucoup plus longtemps. Donc peut-être que t'as plus le temps de profiter de toutes les cartes du side. J'ai une urgence personnelle. Vas-y. On va faire juste un petit break et je reviens. Très bien. A tout de suite. My name is Fei Liang. My handle is ETC. Before Hearthstone, I was playing World of Warcraft, and when I saw Elite Tauren Chief, and I think the card is pretty cool, I'm gonna try it. I think the style I like the most is combo deck, because there are a lot of win conditions, and there are a lot of ways you can win the game. My son plays Hearthstone sometimes. Is he good? He got rank 9. He likes Zoo list. Are you going to teach your daughter to play Hearthstone? Yeah, of course. Do you think that she'll be better than him? Probably yes. Because I think my daughter is way smarter than my boy. Getting number one in Grandmaster is going to totally change my life. I think it proved myself and my kids are going to be proud of me. I'm Facundo Pruso, more known as Nargidan. My username is an Illidan reference. I used to play Warcraft 3 a lot. Illidan is my favorite character. Back in the days, I really liked watching RDU stream as well, after I saw him for the first time on some DreamHack tournament. And then I got to beat him on some online tournament finals. That was my first tournament win, my first prize win. That was a very key moment for me in Hearthstone. I think I'm pretty good at recognizing what decks are good and how to improve them. I like the Zoo playstyle. Some people think it's like broke back deck, but then you have a lot of things to master, and there is a lot of little things in that deck that, of course, you can draw 1, 2, 3, 4 and kill an opponent, but that's not gonna happen every game, and you know, you need to know how to improve your odds. I don't know if other players already respect me or not. In my region, I think they do. I'm not sure about the other Grandmasters. This year, I really want to qualify for Global Finals. I quite didn't make it last year, so that's the main goal. I hear a lot of players say first season wasn't that important, but I think it really is. If you win the first season, you made it to Global Finals. Et on est de retour. Comment vas-tu, Felkan? Est-ce que tu te sens plus léger? Je me sens libéré, délivré, comme dirait la Reine des Neiges. Très bien. On va enchaîner, je pense, très bientôt avec le match. Et ben, ah non, pas tout de suite. On voit un petit RDU. Non, on voit. En fait, à chaque fois, ils font le petit truc. À chaque fois qu'ils prennent leur side, ouais. En fait, ils nous montrent. Et du coup, là, on voit le side que RDU a pris. Les Spotlight Cards. Blizzard. On voit le gel intense qui a été rajouté. Et le Blizzard, en effet, comme tu le disais. Un seul géant des mers, c'est pas une bonne carte pourtant en Mirror, ce géant des mers? Je sais pas trop. C'est peut-être un peu trop tard quand. Bah, je sais pas. Il a enlevé une image Mirror aussi, j'ai l'impression. Ouais. J'avoue que si t'enlèves Mirror, ouais. Bah, si t'as plus d'image miroir, enfin, si t'en as une en moins, Géant des Mers est forcément moins fort. Antonidas, qui est une carte clé dans le match-up aussi. Ouais,
C'est pas mal aussi si t'as des tours où tu peux potentiellement faire des Nova avec Antonidas, avoir du burst. C'est parti et des deux côtés. Oh. Ah bah, il récupère le même, ok. Je trouvais ça intéressant, c'est vrai que du côté de Verdu, t'as le choix entre un plan de jeu géant et un plan de jeu cyclone de mana, avec l'évocation élémentaire et... Est-ce que c'est vraiment correct de garder évocation et géant quand t'as pas la pièce, parce que ça va être compliqué de remplir ta... C'est pour ça qu'il en a enlevé un des deux, la question. Mais il a récupéré directement, il a récupéré l'autre en fait. Ah, il avait... Il a jeté son cyclone de mana, et il a récupéré son autre cyclone non, de mana. Non mais je veux dire, est-ce que garder le géant c'est correct? Moi j'aurais gardé le cyclone. Ouais, je mais je trouve ça intéressant de garder l'évocation élémentaire plus un des deux élémentaires. Mais j'aurais préféré garder le cyclone. Encore une fois, ils connaissent mieux le match-up que nous pour le oui, coup. Oui, ça pour le coup, autant genre, j'avoue que voleur, je me sens plutôt à l'aise parce que je l'ai vraiment poncé. Il a encore la sortie avec le lanceur de banane. Mmh. Oh, attends, mais là il a sorti lanceur de banane et en plus il a l'évocation élémentaire et le cyclone. Il va le défoncer en fait. Si là c'est pas géré. Oh, oh là là, la catastrophe pour RDU. Oh là c'est là. La cata. Oh lolo. Après, RDU en soi, il a une bonne main aussi. RDU a une bonne main, mais la main de Hunter Ace, elle est folle. Ouais. Alors jusqu'où tu pousses? Tu fais ta pièce aussi et je pense pas que la pièce vaille le coup par rapport à un sort aléatoire. On a vu pas mal de gemmes qui accordaient quand même beaucoup d'importance à la pièce. On va voir ce que Hunter Ace fait. Après, la pièce, là, elle se transforme en un spell random. Hein. C'est pas ouais, non mais plus... c'est ça. Est-ce que tu échanges ta pièce contre un spell aléatoire? À voir. La pièce et la Frostbolt, du coup. Ah, ça fait beaucoup quand même en termes de ressources, ça non? Ça fait beaucoup. On va mais voir. Mais c'est agressif. Tu disais toi-même oui. Qu'il faudrait être agressif. Est-ce qu'il y a plus agressif qu'une Frostball dans la tête au tour 3 avec la pièce? C'est ambitieux, dirons-nous. Oh, il le allez. Fait. Oh, il allez. Le fait. Oh, le allez, boss. Allez, c'est agressif. À l'attaque, Hunter Ace. Et du coup, il a combien de cartes en main à la fin, là? 9? Non, il en a... Il a joué combien de sorts? 1, 2, 3, 4, 5. Il est à 7 cartes en main? Oh, ça va. C'est quand même pas mal, ouais. Oh, il peut même jouer un petit Magic Trick et un Snap Freeze qui se met vraiment pas mal. Et bah, ah ouais, pourquoi jouer Snap Freeze dans ton deck quand tu peux en avoir deux de manière aléatoire, Tars? Bah alors RDU, ton Blizzard il coûte 6. T'es mort T4, mon pote. Aïe aïe aïe. Ah, oh, il s'est pris une sauce encore, RDU. Oh. Il a un plan sympa avec peut-être Luna. Luna, évocation élémentaire, tu récupérerais un petit sort à 1 et du coup ça te pourrait te permettre de faire la 2-2. Au bout d'un moment, quand t'as pas de solution dans ta main, faut aller en chercher. Hein, donc Yes, clairement, c'est pas la Nova sur un board de T4 qui va te sauver dans ce genre de match-up. Oh là 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 là. Oh là là, RDU il est au bout de sa vie, regarde-le. RDU qui avait fait un bon start, il me semble qu'il a pris une défaite contre Pavel cette semaine, il a fait 1-1 la semaine dernière. Ah ouais, il est bloqué, il a eu le géant. Il peut pas jouer un... Non, s'il refait l'évocation élémentaire, ça marche pas. Mais s'il fait cyclone... Ouais, mais il a joué qu'un sort, donc ça lui remet pas assez de cartes en main, d'accord. Je pense. S'il avait joué deux cartes, peut-être... Cyclone lui donne évocation élémentaire. Ouais. Non. Et non. Si cyclone lui donne évocation élémentaire, il pouvait faire double évocation élémentaire tout en piochant une carte. Yep, c'était pas mal. Mais bon, c'est... Oh tiens, un petit sort à 1 de mana. Yep, c'est pas mal, cette histoire. On va faire Nova, du coup. Intellect, pardon. Moi j'aime bien brûlure, contre-sort, des choses comme ça. Je sais pas, contre-sort c'est quand même très faible en général dans le match-up avec tous les petits spells à 1. J'ai l'impression que tu dépenses 2 mana là où ton adversaire va utiliser 1 pour le counter. J'aime bien quand même l'intellect parce que en soi, si ce board-là se fait gérer d'une manière ou d'une autre, bah t'as plus grand-chose et il faut aller chercher un géant. J'aime beaucoup ça. Ok. La brûlure elle se met vraiment bien. Et le trade sur la 2-2, est-ce qu'il se fait ou pas? Tu peux presque geler. Non, t'en as trop besoin. Bon, gel intense, c'est tellement fort que t'as envie de le garder quand même. Mais après, c'est l'agression. C'est l'agression. À partir du moment où t'as fait Frostball Face, moi je m'attends à ça. Je te l'accorde, c'est l'agression. Oh là là, il a 15 PV. Comment il s'en sort là, RDU? Oh, c'est moche. Techniquement, parce que... il incline si tout se passe bien. Oui, ça peut clean en effet. Ça peut clean, mais ça, si ça clean pas, c'est terrible. Dans ton tour, c'est. Regardez, vraiment, il regarde. Et on a l'impression qu'il nous regarde comme s'il était trop fâché. Ah ouais, il se dit, il n'y a pas de gestion dans le deck de Hunter Ace, sauf qu'il a récupéré. Oh, c'est trop fort ça. Pour les tours à venir. C'est trop fort, mais attention, parce qu'il rentre dans les tours de Blizzard, là ça.
Faut commencer à réfléchir vraiment du côté de Hunter Hayes. Ouais, pas de réflexion, hein, tu vois. Face. Tu le mets à 8. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais? Tu pourrais juste jouer un géant, typiquement, là. Tu pourrais faire géant. Géant. Et aller face. Le problème, c'est que derrière, lui, il peut dupliquer son géant. Et ouais, pas le souci, c'est ça. Que s'il y a le 4 gars avec l'appel, tu te fais un peu avoir. Mm-hmm. Après, tu pourrais peut-être setup le Spellbender, parce que Spellbender peut être cool dans le match-up aussi pour proc les appels de ton adversaire sur la 1-3. Il va faire Nova et Gel Intense, j'ai l'impression. Nova, Gel Intense, c'est soit contre-sort, soit courbe-sort. Souci de jouer trop de cartes, là, c'est que derrière, tu potentiellement peux avoir du mal... La phrase était syntaxiquement très dégueu, mais ouais. Tu peux avoir du mal à développer ton géant. Courbe-sort, plutôt. RD, il est en mode, ah ouais, très très bon, ça. Très très bon. Il aurait dû trade avec le cyclone et garder le T3 on board. C'est vrai qu'il aurait dû garder ça. Mmh. Ah il oui, aurait oui. Pu juste faire un appel sur le T3 plutôt que... Oui, c'est vrai. Bah, surtout, ça évite aussi son adversaire qui peut faire un appel en cas désespéré. Entité, c'était tellement... À bout d'un moment, là, t'as pas... Oui, oui, mais c'était tellement terrible. Donc tu fais quoi? Tu gèles... Il commence par le tour de magie, voir ce qu'il récupère. Frost qui ne va pas fonctionner, mais il en a un deuxième. Il veut pas se faire contre-sort le Magic Trick, c'est pas mal. Ouais. Après, en soi, tu préférais quand même. Ray of Frost x3, du coup, tu peux gérer. Mais en soi, c'est vrai que si tu prends un contre-sort sur un sort double, tu récupères pas le deuxième ouais, sort. Ouais, donc s'il se faisait là contre-sort, le truc, il était mort, hein, sauf s'il récupérait Ray of Frost exactement. Mm. Donc c'était sûrement incorrect en vrai. Tu préfères largement te faire contre-sort le tour de magie que le Ray of Frost qui te permet de survivre on board. Ouais. Bon, tu vas prendre un... Ah, il hésite avec Snap Freeze. Ah, le truc c'est que... Ouais, t'as Nova Snap Freeze du coup potentiellement. Ok. C'est greedy, hein. Ok. Ok, ok. 8 points de vie. Oh. Oh oh oh. Oh oh. Ouais, c'est pas foufou quand même, hein. 5 dégâts pour l'instant. 5 dégâts. Avec banane. Tu peux le mettre à 3 en effet. RDU a peut-être pas de Ziliax dans une version contre mage. Je vais regarder ça. Après, est-ce que 3 ping ça peut suffire quand t'as pas de Nova? C'est RDU n'a pas de Ziliax dans son deck en effet. Ah, mais même, hein, 3 pouvoirs héroïques, 3 tours. Ah, c'est beaucoup, pas compte, hein. Mais il peut y avoir 25 dégâts. Sachant que t'as utilisé une Nova ouais, pour proc ton gel intense. J'ai quand même l'impression que ça arrive tout le temps, c'est un proc la Nova. Utiliser la Nova pour proc le gel intense. Mm. Et c'est quand même terrible. Il va juste faire son géant et trade la 3-2. Ok. En se disant, il n'y a pas de trade possible, de value trade possible du côté des RDU. Il n'y a pas eu de banane ou quoi, plus un appel. Par contre, là, s'il y a un appel. Il n'y a pas d'appel. Le truc c'est que s'il y avait appel, il pouvait pas prendre un value trade sur le géant, donc dans tous les cas, Hunter Hayes aurait pu faire aussi son 4 gars appel. C'est ça qui était très fort. Mm-hmm. Bon du coup, il peut faire Nova et Gel Intense à RDU, mais c'est quand même très faible comme tour. C'est même mauvais. Hein. Il ouais. Enfin, il a pas le choix, mais c'est pas un tour que tu aimes faire. La question c'est, est-ce que tu ferais pas juste Nova histoire d'aller chercher peut-être un cyclone de mana? Je crois qu'il en reste un. Espérer trouver des cartes, je sais pas. Nova et Lueur de Sable, tu veux dire? Ouais, pardon. Oui, Nova, Lueur de Sable. Ouais. Et limite, t'envoies ton géant dans la 5-4 et t'espères pouvoir prendre un... Ouais, non. C'est très triste, hein, dans tous les cas, c'est très très triste. En fait, il sait qu'il y a pas mal de combinaisons de cartes qui le font perdre dans la main de l'adversaire, donc il essaye de trouver celle. Le plus de chances de le faire gagner, on va carrément lancer le 4 gars. Hein. Ouais, c'est. Même pas. Ah, il a hésité un peu. Bah, il se dit que le 4 gars peut se faire facilement gérer. Il y a toujours pas de gel du côté de Hunter S qui lui aurait permis de proc le gel intense, donc ça va. Contre-sort pourrait commencer à être sympa ici du côté d'Hunter S parce que les options sont vraiment limitées. On a déjà vu plusieurs fois les gels intenses et tout. Donc ça pourrait. Ouais. C'est vrai qu'en soit. T'as l'impression. Bah, tu sais qu'il y a un sort aléatoire, mais ça veut rien dire. Il y a tellement de coûts variables dans du côté du match qu'il peut avoir un petit sort pour proc, comme ça peut être un truc très cher. Donc, ouais, le contre-sort pourrait avoir de l'intérêt ici.
Ça pourrait être un tour d'appel de l'invocateur du côté d'Hunter Ace aussi. Bah ouais, mais du coup tu le ferais quoi sur le sur Monsieur Banane? Oh, Ziliax okay. Aussi tu peux. Hein. Tu taperais dans la 8-8 avec Ziliax et derrière tu ferais l'appel. Ok, c'est pas mal. Hein. Ou peut-être juste Ziliax et Counterspell sans attaquer avec le Ziliax. Ouais. Les deux sont possibles, mais après, vu la façon dont il a joué à Hunter Ace, ça m'étonnerait pas qu'il fasse l'appel en mode agressif. Mais faut faire attention à, tu vois, pas te faire avoir si là il y a un appel avec un autre gel ou quoi. C'est pour ça que ce plan de jeu là il paraît quand même un peu plus safe. Hein. Et tu attaques pas avec le Ziliax en effet, c'est pas mal. Ça fait rien. RDU c'est triste parce que ça fait deux games qu'il se retrouve dans ces scénarios où bah il a rien à faire. C'est terrible. Counterspell. Keping. Okay, oh, gel. Elles sont tellement tristes ces games pour RDU. Genre il s'est retrouvé deux fois à être sur le play et pas sur la pièce avec des mains un peu étranges. Après tu vois, on revient aussi à ce keep géant hein, parce que oh, il peut juste faire ça et geler et c'est gagné. Yep. C'est vrai que s'il avait gardé un appel de l'invocateur plutôt qu'un géant. Au final ça a rien changé si tu veux, il a repioché la même carte donc bon c'est pas de bol. Mais... Ouais mais bon. Y'a rien. Yep, oh là, pourquoi on est passé en qualité caca? Oh, on n'est pas en auto, nous on est en 1080, respectez. Allez. On va faire. On va écouter l'interview. Ouais, on va écouter l'interview. On va faire le switch vite fait pour pouvoir avoir l'interview du champion du monde en titre, évidemment. Tac. Hunter Ace. Hunter Ace qui a vraiment été très agressif pour le coup. Ce pièce Frostball Face. Le pièce Frostball Face, finalement, ça a été pas mal parce que c'est vrai que. Bah. Ouais, en vrai, s'il avait gardé la pièce, il aurait pu faire géant peut-être. Avec l'appel. Non, je sais pas. Mais non, il a pas eu d'appel en fait. Hunter Ace, allez, c'est parti. Important one for you. It moves you up to an even match score now at 3-3. Talk to me about this week for you in preparation. Talk to me about this matchup in particular. It was pretty cool. It was going on, and just about Grandmasters overall in general. I feel like 3-3 is probably less than what you expect, given that I know what standard you hold yourself to. Yeah, 3-3 is definitely not like what I was trying to aim for when I came into Grandmasters. I was hoping for better or a better start, but the competition is super hard here, and all the players are very good, so it's super hard to get all the wins. And when both players play super well. And yeah, it's just the small details that matter. And I don't think that I've necessarily gotten every single detail right in my previous series. Bah, 3-3, évidemment, il s'attendait à mieux. Mais au niveau de jeu, à ce niveau de jeu-là, tout le monde est fort. Et du coup, ça se joue sur les petits détails. Il n'estime pas avoir été correct sur tous les détails. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais pu faire mieux sur ce I was pretty happy about this series. I've played a lot of games. It was a pretty complicated matchup. The first game, he ended up having to go for the category mirror image play, which always makes him very weak because the mirror is often based around board space and like getting a lot of different creatures on the board and just overdoing your opponent because you just freeze, and then you play more stuff, right? And if one of the guys can't actually develop anything more, you just end up with a superior board in the end. Ah, so, c'est ce qu'il dit. Hein. Il a juste pas trade les 0-2 et du coup ça a empêché R2 de se redévelopper. In the last game, there was some close decisions. I'm not sure if I there was like some higher percentage lines I could have taken in the end there. I just tried to maneuver as well as I could around his outs and like his good draws. Yeah. I could have potentially played the secret a turn before, because the secret makes it so he probably doesn't play giant. But at the same time, I didn't really mind him playing giant because I had the snap freezes. Yeah. So playing giant from his side was like a very big tempo loss. But he didn't know that because I don't play snap freeze in my main deck. So yeah, I'm pretty happy. Et en gros, il a, I'm very happy. Il aurait pu jouer son secret un tour plus tôt. I kind of want to look forward a little bit too. Ça l'a rangé pour empêcher géant. Mais ça l'a rangé. Ça l'a rangé qui est un géant, ouais. Yes, I will be attending that. Il sera à Vegas. To prepare in
amidst the balance patch that's happening. We're getting additional cards added, plus, you know, basically additional cards added with the buffs that are taking place. You did pretty well at Worlds when we had a format similar to this where a lot of things changed all at once. Are you looking forward to it, and how do you think preparing is going to be amidst balancing the Grandmaster cycle? Comment il va se préparer avec les buffs, etc. It's going to be quite a different preparation, I think, because it's a very big difference when you prepare for an entire field compared to preparing for two specific players. There's a lot of different strategies that you can't really do when you're preparing a specific opponents, because you know that they're very likely to bring specific things, so that makes you not able to bring something that you maybe want to bring, right? But when there's a big field, you just want to prepare for that entire field and just try to make the best lineup you can make. And I feel like it's more possible to break the meta, especially now that we're right after buffs. Et il explique que c'est plus facile de casser la méta quand tes adversaires ne peuvent pas te contrer spécifiquement et t'attendre sur un deck. J'ai pas entendu ce qu'il a demandé. I found it out. It's something I'm not allowed to do in Ah, on peut pas revenir en arrière. He was told he could get a cabana, but you're not 21. I hate to break it. Ah, il parlait qui était majeur et des casinos peut-être. Oui. Hey, you can always celebrate with ice cream. C'est vrai qu'il a pas, il est pas majeur aux US en fait. You'd do that anyway, let's be honest. Yeah, plutôt pour aller prendre un verre plutôt. Well, Hunter Ace, congratulations on your win here. I think this is a very important Las Vegas, c'est un peu la ville de toutes les folies, hein. Oui. D'ailleurs, nous on aura notre cadreur qui sera pas majeur également. Farouk, il est pas majeur. Il aura 20 ans et quelques, quoi, il pourra pas nous suivre partout. D'accord. Bah, ça veut dire qu'on devra se relayer pour filmer les autres. Ah oui, non, mais on se filmera nous-mêmes. Non, mais de toute façon, ce qui reste à Vegas, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Ah oui, c'est vrai. Le vlog, ça sera en interne pour Solary. Non, évidemment, il y aura un petit vlog. Il y aura de un suivi, hein, ça va être sympa. On aura donc un 4 heures avec nous. Vous pourrez nous suivre sur un peu tous les réseaux sociaux. Mais ouais, du coup, Hunter S qui expliquait que c'est clairement différent ce que tout le monde dit, hein, de se préparer par rapport à deux adversaires. Tu peux anticiper, tu peux essayer de faire du main game, etc. Un aussi large field. Mais ça, c'est un truc qui lui fait pas peur. C'est là où il a été monstrueux l'année passée, en fait. Mais ouais, mais tu vois, j'aurais eu tendance à penser l'inverse, en fait. Je me serais dit, quand t'es contre un énorme field, tu peux pas prendre de risques parce que tu sais jamais ce qui va se passer et tout ça. Et là, lui, il dit le contraire. Il dit, quand je suis contre deux adversaires, c'est réciproque. Et eux, ils peuvent prendre des decks juste pour m'embêter moi. Et du coup, je peux pas prendre autant de risques que je voulais. Donc, j'estime qu'il peut plus prendre de risques contre un énorme field. Ça, je suis assez surpris, ouais. C'est intéressant. En fait, c'est hyper intéressant. C'est un truc qui s'est confirmé à Toronto. On se rappelle qu'il avait pris Druid Jade, qui à l'époque était totalement. Pas du tout joué. Ouais. On le voyait pas du tout et ça avait vraiment bien payé parce que les gens ne jouaient plus Geist, ne jouaient plus ce genre de cartes parce que c'était juste un deck qu'on voyait plus du tout et ça avait bien payé pour lui. Donc il a pris ce risque-là, mais tu vois, c'est le genre de truc. J'ai l'impression qu'en spécialiste, c'est quand même beaucoup plus compliqué de prendre ce genre de risque que dans des formats anciens comme le Conquest ou le KOTH. Ah, on verra ce que ça donne. Ouais. Hein. Ça va être le premier gros tournoi international vraiment en spécialiste avec autant de joueurs. Avec beaucoup de monde parce que c'est plus de 300 personnes. Ouais. Donc on verra ce que ça donne. On a hâte d'y être en tout cas. Et on va faire une petite pause. Je ne sais pas si ça va être nous qui allons reprendre ou les casters suivants. 10 démons et Oliège, ça on va voir. Il reste un match, il est 21h, donc on va voir un peu. En vrai, c'est coquet, ça devrait tabasser à aller vite, donc on verra. Ah ouais. À tout de suite.